Alphabet, moi c'est Clara, Alpha Stagiaire, et avec Alfie, on va vous raconter un conte de Noël. Aujourd'hui, c'est La légende du sapin de Thierry Chapeau. Nous remercions les éditions Calicéphale qui nous permettent de mettre en ligne cette vidéo. Allez, c'est parti! Autrefois, tous les arbres gardaient leurs feuilles en hiver. À l'approche de Noël, un petit oiseau ne put s'envoler vers les pays chauds. Son aile était brisée. Tremblant de froid, il va s'abriter dans le feuillage du gros chêne. Va-t'en, tu vas manger tous mes glands. Le vieil arbre le rejette. Le petit oiseau s'éloigne. Il se réfugie dans les branches du hêtre touffu. Ne reste pas là, tu vas picorer toutes mes fèves, ordonne l'arbre robuste. Terrifié, le petit oiseau s'échappe et se cache dans le bouleau. Je ne veux pas de toi, tu vas salir les branches. Et le bel arbre le chasse. Repoussé par tous les arbres, le petit oiseau se couche pour mourir. Viens, petit, viens. Là, tout près, un sapin lui fait signe. Engourdi par le froid, le petit oiseau se traîne vers le gentil sapin. Ici, tu ne crains rien, je te protégerai. La veille de Noël, un vent terrible souffle sur la forêt. Tous les arbres perdent leurs feuilles. Seul le sapin reste vert. Il a recueilli le petit oiseau. Protégé par le sapin, le petit oiseau lentement guérit. Au premier rayon du soleil, il s'envole. Depuis ce jour, le sapin est l'arbre de Noël, généreux et protecteur, autour duquel nous nous réunissons. Et voilà, c'était La légende du sapin de Thierry Chapeau. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour un nouveau conte de Noël.